Re tout le monde, on se retrouve maintenant pour la deuxième map qui est Vertigo. Alors on va voir ce qu'elle donne. Là c'est vraiment les premières secondes où je découvre ces maps. Alors les spawns qui sont quand même pareils. Qu'est-ce qu'on a par ici? Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ok, je découvre un peu hein. Il me semble que cet avion, je suis pas sûr, hein, mais il me semble que cet avion, je l'avais vu dans le trailer de BO, je pense que ça peut peut-être vous dire quelque chose. C'était comme un avion qu'on voyait au début, je sais pas. Alors, j'essaie de contourner tout ça. Ok, bon bah alors cette map, elle est à première vue jolie, sympa, mais pas spectaculaire. Attendez, avant que je dise des bêtises, hein, je vais quand même vérifier. Que ça va venir derrière, vous avez vu, j'avais dit. Ah, dommage. J'étais sûr que ça allait venir par derrière en plus. On va essayer d'aller voir les spawns où sont. Mais voilà, c'est une map qui me fait penser un petit peu à Hôtel dans Black Ops 1, qui était d'ailleurs déjà de base en DLC. On pourrait croire un peu. On pourrait croire un peu, il y a quelque chose. Ah putain, je suis collé. C'est pas grave. C'est assez excellent. Alors je tiens quand même à vous dire quelque chose. C'est que dans ces petites vidéos de tests découvertes en live des DLC, c'est ce que je fais chaque mois hein. Vous savez que c'est pas ma spécialité, mais pour les DLC je l'ai toujours fait. Même si d'habitude je suis pas quelqu'un qui fait des vidéos commentées comme ça etc. Simplement sans débat ou quoi que ce soit. Et bien c'est spécial aujourd'hui. Et c'est spécial une fois par mois d'ailleurs. Alors je tiens quand même à préciser que je vais aussi faire une découverte zombie. Parce que c'est vraiment, je suis pas un grand fan de zombies d'habitude, je l'étais du Black Ops premier du nom. Mais ça va vraiment me donner envie là quand j'ai vu que ça a été un petit peu la prison d'Alcatraz et tout. Ça m'a quand même vraiment donné envie de tester, alors on verra ce que ça donne. Il y en a un deuxième, fais attention là-bas. Oula, je tombe, bon bah tant pis, je suis tombé, c'est comme ça. Voilà, ok. Ah, j'ai eu de la chance là. Peut-être qu'on en aura un petit troisième ou quoi. On a quelque chose ici. Rien apparemment. Ok. Ah, il va m'avoir ou pas? Non. Ok. On va essayer d'en faire quelque chose là, même si je pense que le spawn a changé. Ouais, le spawn a changé. Allez. Alors là, c'est ça, c'est ces petites vidéos là, ça vous permet aussi de voir si vous allez acheter ou non le DLC. Moi personnellement, je l'ai étant donné que j'ai le season pass, mais je sais que pas tout le monde peut se permettre de les acheter, et donc bah à chaque fois j'aime bien voir des petites vidéos découvertes. C'est aussi pas c'est principalement pour ça que je vous le fais hein. J'espère que vous en êtes conscient. C'est surtout pour que vous ayez une image première de la map, pour que vous puissiez vous dire, alors est-ce que ça vaut la peine que je l'achète, vais-je vraiment m'amuser dessus ou pas. C'est vrai que là avec l'arrivée de zombies ça peut être intéressant. Étant donné que ça a l'air de vraiment changer. Après à part Firing Range, la map je sais pas, je suis un peu perplexe pour le moment. Parce que je vois bah voilà un studio qui est vraiment excellente, mais celle-là par exemple je suis pas voilà. Elle est bien etc, c'est cool parce que ça nous fait des autres maps, mais c'est pas celle que je préfère disons. Donc faudra voir par la suite. Mais j'ai souvent l'impression que pour ce qui est des DLC, on a on a tendance à l'acheter, à le tester, mais après on n'a pas vraiment tendance à y jouer beaucoup dessus. Donc c'est clair que ça sert un peu à rien quand vous voyez les choses comme ça. Dommage. C'est pour ça que c'est un petit peu dommage. Alors on va se retrouver directement après bah, pour la prochaine map hein, ce qui est logique, on en est à 2 sur 4. J'ai hâte d'ailleurs de voir ce que vont donner Magma et je ne sais plus comment s'appelle l'autre. Magma et je sais plus, voilà. Encore, voilà, c'est Magma et encore je crois. On verra ce que ça donne. J'ai hâte de voir ça en tout cas. Voilà, alors on va se retrouver directement pour la troisième map, à tout de suite.